Bonsoir et puis bienvenue à tous ceux qui se sont connectés sur ce live pour ce petit concert. La première pièce que vous avez entendue s'appelle Odessa. Elle a été composée par Matthew Lorick, qui est un compositeur et percussionniste américain. Le prochain morceau que je vais vous jouer, il s'intitule Opening. Il a été écrit en 1981 par Philip Glass, qui est un compositeur majeur du courant minimaliste. Et c'est une pièce qui était à la base destinée à être jouée au piano. Juste après, je jouerai Rainbow's Lament, qui est le deuxième mouvement de Saw, un concerto pour marimba et orchestre à cordes, composé par Robert Huitomo. Puis ce soir, c'est Marie Guyot qui va interpréter l'accompagnement au piano. Je vous souhaite une bonne écoute. Thank you.
Thank you.
Alors, pour la prochaine pièce de ce concert, je serai rejoint par Marinelle Mittenberger à la batterie. On va vous présenter la Black Page numéro 1, qui est une pièce qui a été écrite par Frank Zappa. Ensuite, la pièce suivante, ça sera également un duo. Il s'agira de Song for Allison de David Maslanka. C'est une pièce qui est normalement écrite pour saxophone, alto et marimba, mais ce soir, c'est Émile Sanglard qui va l'interpréter à la clarinette. Je vous souhaite une bonne écoute. Thank you.
avant de jouer une dernière pièce, j'aimerais en profiter pour remercier quelques personnes qui ont rendu possible ce concert. Tout d'abord, un grand merci à Marie Guyot au piano, Marine Elmitemperger à la batterie et puis Émile Sanglard à la clarinette, que je remercie pour leur grande disponibilité et leur talent musical. Ensuite, je suis très reconnaissant envers Aloïs Joliet qui s'est occupé de la vidéo, du son et de la diffusion en live de ce concert. Je remercie aussi Michel Zbinden, mon professeur de musique, pour tous les bons conseils qu'il m'a donnés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et puis aussi, merci à l'EJCM, à ses directeurs Blaise Héritier et Jean-Noël Minger, pour m'avoir permis d'utiliser cette belle salle ce soir. Et puis aussi, vous qui avez assisté à ce live, un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à vous jouer, en espérant que vous avez eu du plaisir. Pour conclure, juste encore quelques mots. À défaut d'un chapeau à la sortie de la salle, vous trouverez dans la description de la vidéo, juste en dessous, mes coordonnées si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement par IBAN ou bien par Twint, notamment pour les quelques frais que j'ai eus pour ce concert. Sinon, pour terminer, je vais vous interpréter une pièce qui s'appelle Ghost Garden et qui a été composée par Adam Hopper. Je vous souhaite donc une bonne écoute, une belle soirée et puis un tout bon week-end.